Et à ce moment-là, nous allons parler de la prospérité divine ou bien de la prospérité surnaturelle. Donc, c'est extrêmement important. Et il y a des gens qui ont des gens qui ont des gens peu utiliser le mot prospérité parce qu'il y a tellement de monde qui dit choses négatives au sujet de la prospérité, ou l'évangile de la prospérité, etc. Surtout si vous regardez les médias, ou après, quand vous montrez que c'est un mauvais bagage. Conséquemment, il y a des prédicateurs qui peur qui même pas utiliser le mot prospérité. Mais c'est une erreur. Pour qui ça sont erreurs liées? Parce que ce n'est pas nous qui venons avec concept là, ni ce n'est pas nous qui venons avec moi. C'est l'Éternel qui vient avec elle. C'est lui qui dit je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé. Nous venons, nous faisons, nous joignons dans la Bible. Est-ce qu'on avait même? L'un dans la présence de Dieu, nous avons quitté la Bible. Est-ce qu'on avait même? So, nous ne pouvons pas éviter, et ce n'est pas nous qui inventons le mot ou bien le concept de la prospérité, c'est dans la parole de Dieu. Donc, conséquemment, même si il y a des gens qui doivent faire abus de moi, nous pas supposer peur ou utiliser moi ou bien peur concept là ou pas de le faire abus ou besoin étudier pour voir ça la Bible dit de lui pour pas faire abus de lui, mais en même temps nous pas qu'à nier parce que c'est une réalité biblique que lié. Est-ce que ça va? All right, so à soir on a parlé de hier soir on t'a dit un bagage qui était très très important. Nous t'ai dit, bon Dieu fait miracle, mais il gouverne le monde par des lois. Combien de monde qui songe ça? Bon Dieu fait miracle, mais il gouverne le monde par des lois. Donc, bien des lois qui gouvernent la santé spirituelle. Donc, hier soir, moi, j'ai parlé des lois qui gouvernaient de la santé spirituelle. Et avec le temps, on apporterai plus en détail par rapport à ça. Même j'aurais bien des lois qui gouvernait la santé spirituelle ou bien la santé surnaturelle. Mais il y a des lois tout qui gouvernait la prospérité surnaturelle. Ou besoin qu'on aime. Moi, quoi yon bagay? M'pas quoi que bon Dieu créé personne pour yon pauvre. Notez samedi, hein? M'pas quoi bon Dieu créé personne pour yon pauvre. Il y a des circonstances qui mène yon moun pauvre, yon famille pauvre, yon pays pauvre, mais ce n'est pas volonté bon Dieu pour la créer des moun et puis pour yon pas qu'à manger, pour yon pas qu'à payer caillou, pour yon problème pour la journée. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Le bon Dieu te créé Adam dans le jardin d'Eden. Est-ce que t'es pauvre? Est-ce que il pas te créé Adam avec toute ça t'es besoin? Adam te gagne plus, il te gagne plus bagaille que t'es besoin. Adam te gagne plus manger que ventre, te gagne espace pour recevoir. La pauvreté entrée dans le monde après le péché. Mais bon Dieu pas créé l'homme pour le pauvre. Donc ça gagne en pile fois moi-même avec la pauvreté commencer opérer dans la vie nous, même je me t'ai dit hier soir, en pile fois gagne des lois spirituelles de la prospérité, des lois spirituelles du succès, des lois spirituelles du progrès que nous devons violer. Nous devons violer soit délibérément, ça veut dire intentionnellement, ou bien nous devons violer par ignorance. Conséquemment, ils viennent frapper nous. Nous sommes capables de souffrir comme individus, nous sommes capables de souffrir comme famille, nous sommes capables de souffrir comme nation, parce qu'il y a des lois que nous ne connaissons pas. Mais la volonté de Dieu, eh bien, c'est pour bénir petit lit, j'en dis la parole. Est-ce que ça va? Donc, ok. Donc, même Jean hier soir, moi, j'ai bon trois lois de la santé divine. Moi, j'ai même bon trois secrets, ou bien trois secrets de la prospérité divine. Trois secrets. En d'autres termes, pour yon moun prospérer, pour avancer, pour gagner succès dans la vie, pour arriver quand on suppose arriver dans la vie, gagner trois connaissances ou besoin gagner. On nous dit connaissance. Connaissance. Dis-le plus fort avec moi. Dis-moi connaissance. Ok, all right. L'Éternel dit mon peuple périt faute de connaissance.
Donc, il y a des gens qui ont péri dans la misère, dans la pauvreté, côté un rien pas qu'à marcher. Seul problème qu'ils ont gagné, ils pas connaissent. Il y a des choses qu'ils pas connaissent. Et conséquemment, ils ont gagné des difficultés. Ou bien, remarquez que la richesse dans la vie, il y a des choses qui baillent, c'est la connaissance. C'est la connaissance. Attendez. L'argent que yon moun gagne dans poche li, c'est souvent yon manifestation de connaissance que l'on gagne en tête li. Vous entendez ça me dire? L'argent yon moun gagne dans poche li, ou bien sous compte en banque li, c'est souvent yon manifestation physique de connaissance qui est en tête li. Là où moun sorti de zéro et puis il rive bien loin financièrement, gon bagali apprend qui mène là. C'est ça qui fait un pile dans nous dans la communauté qui vit aux États-Unis, nous comptons des témoignages ça. Yon moun qui commence yon business et puis business là, ben quoi, li perdu tout l'argent, li gen droit abdomi en bapon, non machine, li tombe dans pauvreté net. Et pour garder le monde, ça a recommencé dans moins de 10 ans, il est riche encore. Nous ne pouvons pas compter des histoires comme ça. Le monde qui est riche, il perd tout ça, dans moins de 10 ans, il retourne riche encore. Mais ça fait, comment se fait-il que le monde qui fait 50 ans, et puis il traîne dans la pauvreté, il ne peut jamais lever, le monde ça, il est riche, il perd tout ça, il est plus pauvre que l'autre monde, côté l'abdomen en machine, l'abdomen en bapon, après regarder où elle relève encore, et puis elle est riche encore. Ça fait elle est riche encore. Connaissance qui était dans la tête. Elle perd du l'argent, mais elle n'a pas perdu connaissance. Et qu'est-ce que ça veut dire? Elle n'a pas perdu connaissance. Et ça fait elle riche là, ça fait elle riche là, ce n'est pas l'argent qui fait elle riche, c'est connaissance qui est dans la tête. C'est ça que fait, on l'aime d'apprécier, t'es dit nous ça, l'Éternel dit, je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Prospérité commence dans l'âme. La richesse, elle commence dans l'âme. Et l'on a parlé l'âme, l'âme, il y a trois aspects, il y a intellect, il y a émotion, il y a volonté. Ça veut dire, côté yon moun riche, la Bible dit, côté yon moun riche, d'abord, c'est dans l'âme. L'or riche nan nan mou koun yal manifeste nan poche, il manifeste différents côtés. Et yon nan part, yon nan bagay qui constitue richesse de l'âme, c'est qui sa ou koné, qui sa ou apprend dans la vie, qui expérience ou gagne dans la vie. Et puis koun yal sa vie manifeste comme yon richesse qui manifeste physiquement. Est-ce que ça va, hein? Tandis que, moun ki pa koné, l'autre bagay l'ou bal gagne, ou pas jamais tande moun ki gagne à la loterie, qui gagne l'auto. OK. Yo moun ki gagne l'auto, nou pa konnen moun ki gagne l'auto. Majorité nan yo, ou ap gade nan moins que 5 ans, yo pauvre. Moun nan ka fait 40 millions de dollars nan l'auto, nan bolet, li fait 20 millions de dollars, li fait 10 millions de dollars, etc. Nan moins de 5 ans, nan 5 ans, li pauvre. Majorité moun ki gagne nan l'auto pauvre. Ça fait ça parce que yo gen l'argent sans connaissance. Et puisque vous n'avez pas connaissance, vous avez perdu l'argent. Non, clin d'œil. Parce que ça qui fait richesse au monde, ce n'est pas qui sort dans la poche, c'est qui sort dans la tête. Sort dans la poche ou à son manifestation, ça qui dans la tête. Si vous comprenez ça, me dit à dire gloire. Ok, alright. Je vais aller rapidement. So, vous avez trois bagailles, vous avez besoin de connaître. Trois types de connaissances ou besoin qu'on ait ou besoin gagner pour capable prospère dans la vie. OK? En tant que chrétien, sous besoin prospère ou besoin trois types de connaissances. Numéro un, ou besoin gagner, ça me relait connaissance biblique. Connaissance biblique. Ça me le dit par connaissance biblique. Ça me le dit si, en tant que chrétien, ou bral prospère dans la vie, faut qu'on ait la parole de Dieu. Sous besoin prospère dans la vie, sous besoin de succès, ou besoin à faire marcher, faut connaître la parole de Dieu. Gardez qui ça? L'Éternel. Ça, c'est l'Éternel
qui a parlé avec Josué. Le Josué vient remplacer Moïse. Gardez dans Josué chapitre 1, le verset 8. Josué chapitre 1, le verset 8. Gardez qui ça dit, monsieur, pour le capable prospère. En nous toutes les ensemble. Gardez qui ça, ça c'est l'éternel, lui, bon Dieu qui a parlé. Gardez qui ça, gardez qui conseille, bon Dieu, bah, Josué. En nous toutes les ensemble. Il dit Josué, que ce livre de la, ça veut dire la parole de Dieu, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Et puis il dit, l'homme médite la parole de Dieu, le livre de la loi, tout selon tout ce qui est écrit, il dit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises et c'est alors que tu réussis. Ou comment son business, ou comment son business, que ce business fait cheveux, que ce business fait cheveux, que ce business, restaurant, que ce business, secrétariat, quel que soit son affaire, l'Éternel dit, soutenez tes entreprises. Yon marché, l'on va entreprendre. Yon bagay, yon moun ka fait business, yon rele yon entrepreneur. N'est-ce pas, j'en rele yon en anglais? Soub en tant qu'entrepreneur, entrepreneur, ou ta remè entreprise ou marché, il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite le jour et nuit, c'est alors que tu auras du succès dans toutes tes entreprises. Et c'est alors que tu réussis. Donc, premier conseil, yon moun besoin qu'on ait. Souvre les prospérer financièrement. Ou besoin qu'on ça, la parole de Dieu dit de finance. Ou besoin qu'on ça, la parole de Dieu dit de succès. Ou besoin qu'on ça, la parole de Dieu dit de prospérité. Ou besoin qu'on ça, la parole de Dieu dit de l'argent. Yon a moun qui plus parle de l'argent dans la Bible. Ou pas d'argent, c'est ça. Moun qui parle plus de l'argent. De Genèse à Apocalypse. Non le relais, Jésus de Nazareth. C'est Jésus qui parlait plus de l'argent non, que tout le monde. Donc, il y a des gens qui ont un problème avec le prédicateur qui parle de l'argent. Ah, mais c'est pas ça, ça doit parler de l'argent. Donc, on commence à chirer. Et pas deux, trois pages de Bible, on va chirer. Pas deux, trois pages de Bible. Parce que le Jésus a parlé de la parabole des talents. Vous connaissez qui ça, un talent, c'était un argent qui te vaut à peu près. 10 000 dollars en bas comme ça. Talent, c'est un type de l'argent. Même genre dollar, yen, etc. Talent, son type de l'argent. Jésus parlait de l'argent tout le temps. Ok? Donc, il y a un premier bagage besoin qu'on ait. Ou besoin de connaissance biblique qui est extrêmement important. Le premier bagage besoin, you need to have biblical knowledge. Ok? Qui ça la Bible dit de la prospérité? Ça est extrêmement important. M'bral du bagage. Et alors, avant ma illustration, ça va faire, ou besoin prospérer, prendre des versets bibliques qui parlent de finances, qui parlent de l'argent, ou capable de jeûner sur Internet, ou bien commencer en business. Prends verset ça, apprends-le, mémorisez-le. Josué chapitre 1, verset 8, mémorisez-le. Je souhaite que tu prospères à tout égard. Et mémorisez. Tout ça, la Bible dit par rapport à bénédiction, mon Dieu, mémorisez-le. Ça fait nous ça. Croyez et mémorisez. Je vais vous dire. Il y a des choses que je apprends dans le contact que je fais avec les gens. Pendant longtemps, moi-même avec, surtout dans la communauté haïtienne, nous avons toujours cru tant que les gens plus pauvres, c'est tant que les plus spirituels. Tant que les gens plus pauvres, c'est tant que les plus précieux. Mais avec le temps, nous venons rendre compte que ce n'est pas vrai. Est-ce qu'on avait même? N'importe qui comprend la parole de Dieu, on comprend que ce n'est pas vrai. Donc, ça vient fait que nous avons un pile d'ignorance. Mais il y a une chose que je veux dire. Je ne sais pas que jamais, il y a quoi dans la pauvreté pour le succès. Je ne sais pas encore. Je ne sais pas jamais, il y a quoi dans la pauvreté pour le prospère. Ah, vous entendez ça, je dis là. Jésus dit qu'il soit fait selon ta foi. Donc, sous quoi
Une bagaille, moi apprendre dans route moi avec bon Dieu, c'est que l'Éternel quitte tout le monde servile dans le niveau qu'on voulait. Oui. Des gens qui disent, parce que Greg, même comment se fait-il? Ou comment des gens qui connaissent, qui aiment bon Dieu, qui a prié, qui a jeûné. Et puis, regardez moi, je fais toute vie dans la pauvreté. Est-ce que vous ne pas aimer bon Dieu? Est-ce que vous pas servir bon Dieu? Est-ce que vous pas balancer? Certainement, vous aimez bon Dieu. Certainement, vous servir bon Dieu. Certainement, vous balancer ciel. Mais bon Dieu, il y a tout le monde choix pour servir dans le niveau qu'on veut. Est-ce que l'église a dit ça, m'a dit là? Donc, ça veut dire, sous si son l'évangile pauvreté qui bon pour vous, c'est qu'on sauve le bon Dieu, pas de nuit, ou il n'y a pas de problème. L'ap qui t'a sauvé pour le ciel, mais l'ap qui t'a servi dans le niveau ça, parce que c'est son coin. Ah, si vous comprenez ça, m'a dit gloire. Réalité, c'est m'a dit, chers, ça c'est vérité sous tambou. Je veux dire là, vérité sous tambou. Bon Dieu fait tout le monde, bon Dieu permet tout le monde servir. C'est ça que fait Jacob de Wé, l'un de ses visions de Jésus. Dans l'Ancien Testament, il te présente Jésus comme une échelle. Chaque monde choisit niveau pau dans bon Dieu. Est-ce que nous avons? Est-ce que nous comprenons ça, bon Dieu? Donc, cela veut dire, si nous avons quoi dans la pauvreté, c'est comme ça. Nous te donnons un exemple, nous te disons, nous te donnons un exemple personnel. L'homme a commencé ta bien avec de gloire. Nous avons deux bagages qui t'ont étonné. Deux bagages qui t'ont étonné. Alors ça lui même c'est avant de commencer ta bien de gloire. Avant de commencer ta bien de gloire, me songeais me tendais un grand pasteur qui a parlé. Bon évidemment là, son grand pasteur, un grand pasteur qui était très connu dans génération avant. Et puis il a parlé avec moi, etc. Et puis il dit moi ça, moi je connais une fois me rencontrer avec un pasteur collègue moi. Et puis il dit moi comme ça, moi pasteur, il dit moi pasteur a crasé dans la rue, crasé, pasteur a crasé. Il dit, l'homme tombe sur monsieur, me saisit, me dit, et tel, comment faut marcher crasé comme ça? Je ne vais pas marcher crasé comme ça. Ah, monsieur dit, mon cher, ça avec un blanc, je vais rencontrer là, papa. Avec un blanc. L'homme va rencontrer avec blanc ou pas habillé, Shelby. L'homme va rencontrer avec blanc, papa, ou pas habillé, Shelby, ou habillé crasé, pour y'a qu'à quoi, ou des problèmes, pour y'a qu'à bol, ou comprendre, pour y'a qu'à supporter. Ou est mentalité, y'a monde? Et puis c'est ça que fait, moun nan pa met ton bon chemise, li pa met ton bon pantalon soulé, li pa met ton bar, parce que la tente pour le rencontrer avec un blanc pour blanc ka wel krasé pour gen pitié pour lui et puis pour blanc ka fait le cadeau $100, $200, $500. La chachon blanc. Est-ce que vous comprenez ça m'a dit là? Donc, nous songeons, l'homme va commencer l'église là, grand pasteur qui te gagne même mentalité, il vient de côté, il dit, moi ça, regardez, pasteur Grégory, nous avons à peine commencé l'église là, l'église a besoin de il dit, sous besoin de l'église avancer, il dit, mon cher, il faut dégager, entre nos missions et puis cherchons blanc qui pourrait nous. Et puis, il dit, monsieur, regardez, il dit, moi, blanc pas qu'il doit aider, c'est moi qui pourrais aider blanc. Il dit, blanc pas qu'il doit aider. Dis-moi, c'est jamais dans la vie. Dis-moi, c'est pas le vin ni bagage, vraiment des bagages, etc. Blanc, pas le même, c'est moins que vous des blancs. Nous avons reconnu que bon Dieu Billy Graham, non, s'il va bon Dieu, pas dans tout. Nous avons reconnu, est-ce que bon ciel, dis-moi, est-ce que bon ciel pour mon blanc, bon ciel pour mon noir? Comment se fait-il blanc campé et puis la fait laisse-moi t'aller en croisade Billy Graham. Ils ont invité Amsterdam, Billy Graham, et puis ils ont fait une croisade. Pendant toute semaine, ils ont mobilisé toute ville, là, etc., etc. Et puis, le monde qui a organisé la croisade, il a demandé combien de croisades a coûté. Ils ont dit pour nous faire tout entrer. Ils ont payé avion pour nous, ils ont payé hôtel, ils ont payé manger, ils ont payé pour 10 000 évangélistes dans tout pays dans le monde. Et puis, ils ont payé pour nous tout hôtel, terrain, bus, ticket d'avion, manger, ils ont payé pour tout bagage. Il dit, monsieur, combien semaine nous coûte? Il dit, semaine nous coûte nous 60 millions de dollars. 60 millions de dollars pour une seule semaine. Et après, il a fini de faire ça, they didn't go broke. Le ministère n'a pas de fermé. Ça veut dire, quelque soit à côté 60 millions de dollars, ça a été sorti, il y a un paquet dans la réserve toujours qui pour permettre le ministère de fonctionner. Est-ce que vous comprenez ça, là? Expérience, ça a été marqué. Et je me souviens, c'est en 2000, dans l'année 2000,
dans Amsterdam. L'aime sorti, me levé tête moi en l'air. Me dit bon Dieu, me t'aime connait. Est-ce qu'on c'est bon Dieu blanc ou bien c'est bon Dieu haïtien en tout? Ah, est-ce que là qui ça te ça dit là? Me dit Seigneur, me t'aime connait, est-ce qu'on c'est bon Dieu biligramme non seulement ou bien c'est bon Dieu haïtien tête graine en tout? Parce que laisse me démarcher dans l'église. L'un marché dans l'église là, nous réunis l'église là plein, il y a 3000 moun, 3000 moun, nous recevoir offrande $300. Ça veut dire chaque moun ba 10 kop dans New York City, pas pays d'Haïti non, New York City, 3000 moun dans l'église là offrande là $300. Première fois pasteur a dit ça me pas de quoi jusqu'à ce que moi-même mal fait croisade en dedans paquet rempli et puis nous recevoir $300 comme offrande. Je dis, mes amis, bagarre la reine. Donc, à cause d'expérience, ça me vivre. Je fin faire expérience $60, ça. Après, ça m'a fait expérience Billy Graham. Je dis, Seigneur, je me connais. Est-ce que bon Dieu blanc, c'est bon Dieu. Bon Dieu nek blanc, c'est bon Dieu nek noir. Est-ce que c'est bon Dieu, c'est décivoir, c'est bon Dieu tête graine dans tout. Est-ce que bon Dieu Billy Graham, non, c'est bon Dieu Grégory. Et avec le temps, viens rendre moi compte au bagaille. Bon Dieu, pas de favoritisme la Kaeli. Qu'il soit fait selon. Yeah. Donc, souviens-moi, si son mentalité au gain, m'bral marcher avec un tirade chiré sous moi, pour m'attendre tomber dans mon blanc, dans mon petit cop, l'autre marche, on tirade chiré sous, on cherche un blanc. Combien de blancs balda ou? Là, pour $50, là, pour $100, là, pour $2, est-ce que le bras, j'aime là, pour $1,000,000 là, même? Moun qui gon $1,000,000, y'a pas là, y'a avec, moun qui a marché avec 4 chiré sous, y'a. Pas la peine. Moun qui gon $1,000,000, y'a pas là, y'a avec, moun qui a marché avec pantalon chiré. Li metel nan men moun ki semble avec million. Tu comprends ça me dit à dire gloire. Yeah. Donc aussi longtemps yon moun vini bagay et cetera, donc on cherche ou gon esponti charité ou rete nan niveau ça. Donc finalement vini rendre compte c'est pas bon Dieu qui te bloque personne, c'est mentalité nous parce que c'est comme ça ici en penser. Donc l'aime gal commencer l'église puisque tout le monde pensait comme ça, moun li t'habitué te penser comme ça, li dit pour l'en faire même bagarre. Même te quand tu vivi une expérience. Te dit non, on va le faire route avec bon Dieu. Est-ce que t'entends ça m'a dit là? Donc cela veut dire sous besoin prospérer, faut qu'on ça la Bible dit de la prospérité, li verset yo. Songez verset yo, mémorisez verset yo, prononcez verset yo, parce que sans quoi, c'est lui qui a manifesté. Toi ou ta, l'a manifesté. Donc, moun qui prospère, vle prospère dans la vie, ou pas jamais quitter situation définie identité yo. Yes. Après, pour nous. Moun qui prospère par jeune qui te situation définie identité. Donc, m'gè doit pas gagner l'argent, m'pa ka payer kòp, m'gè doit pas gagner l'argent, m'pa ka payer kala, même pa bral di m'pauvre. M'gè doit raser ces jours-ci, même pa pauvre. Même moun qui riche qu'on raser, même moun qui riche qui doit pas gagner cash. Est-ce qu'on avait même moun qui riche qui doit plein bien et puis yo gagne tout monde capable gon petit problème ou raser ou pas gagner cash nan men. Mais identité ma, c'est que béni de toutes les bénédictions spirituelles en Jésus-Christ, béni avant la fin. Moi béni le m'a porté, béni le m'a sorti. Moi béni dans ville, moi béni dans champ, même là pas gagner dans poche, moi me lever même en l'air. Me dit béni. Aïe aïe aïe, sou quoi dans samedi à bam 7 coups ta mère. Yes. Yes. Now, ou besoin connaît, ou besoin gagner connaissance biblique. Maintenant, on va le jouer bagay. Les lois bibliques des finances, ce sont des lois sûres. Ce sont des lois qui tellement sûres que même les gens qui ne connaissent pas. Même là, yon moun pa konnen loi yo, et puis li observe loi sans que le pa konnen, c'est yon loi biblique. Li observe,
et puis le rendre compte que le marché. Même là, il n'y a pas connaissance de la loi biblique. Il y a observé. Je ne sais pas ce qu'il y a qu'à force saisir. Est-ce qu'on connaît un pile moun riche, un pile moun riche, by 10% dans un comme yo fait 10% dans un comme yo fait cadeau en pile moun riche inconverti qui pas connait bon Dieu by 10% dans revenu yo sans yo pas connait li rele la dîme. Est-ce que nous comprenons ça? En pile moun riche by 10% de revenu yo sans yo pas connait non rele la dîme, sans yo pas connait gon verset biblique qui existait pour ça. Pour qui ça yo fait? Parce que yo wè, lè yo fèl, li semblé le marché. Yeah. You nan livre qui plus fameux dans la Bible, pas dans la Bible non, you nan livre qui plus fameux sous éducation financière. Tout à l'heure m'a fait mention de lui. C'est yon livre, yon élément écrit qui est le Rich Dad Poor Dad, père riche père pauvre. M pa kwè monsieur converti. Autant que me connaît monsieur pa yon moun qui converti. Mais me saisi pendant m'a li livre monsieur, la bon conseil comment pour yon moun capable acquérir la richesse dans la vie, lui dit youn nan bagay la prendre qui marche pour lui, c'est l'el bay 10% de revenu. Li pa konnen rele la dîme, li pa konn ki verset biblique liye, li pa m pa même konnen monsieur konnen l'existe dans Bible. Mais malgré le pa konnen le sorti dans Bible là, depuis l'observer loi, li marche. Est-ce que nous comprenons ça m'a dit hein? Koun ya moun ki pa konnen loi, yo seulement tombé sous li et puis le marché, allez voir ou même sous apprendre les lois. Si y a travail pour inconverti, allez voir pour vous-même qui peut petit lui. Est-ce que les questions vont s'avancer là? Donc, the first knowledge that you need to have, soubral prospérer, apprendre la parole de Dieu, apprendre ces versets bibliques qui parlent de la prospérité, mémoriser, prononcer, parce que sans prononcer la vie, sans prononcer sous la vie aujourd'hui, c'est ça que bral vin manifester demain. Est-ce que vous allez m'amener ça? Moun ko yé jodi a, se parole ko te prononce sou la vie ou hier. Parole ou te prononce sou la vie ou 5 ans de ça, 10 ans de ça, 20 ans de ça, yo menon koto yé la. Parole ou le prononce sou la vie jodi a, ap menon 5 ans, 10 ans, plus tard, ap menon l'autre niveau dans la vie. Parce qu'il soit fait selon ta. Ok, deuxième connaissance ou besoin gagné. Première connaissance, c'est connaissance biblique, c'est pour prospérer. Deuxième type de connaissance qu'on besoin gagné. Et ça extrêmement important tout les mêmes. Deuxième type de connaissance ou gagner, ou besoin gagner, ça me rele connaissance personnelle. You need to know the word is the first thing. Second thing, you need to know yourself. Faut gagner connaissance personnelle de moun ko yé. Parce que le bon Dieu rele ou richesse ou chaque moun dans la vie, bon Dieu équipé ou avec des choses qui pour bon succès dans la vie. Chaque monde qui fait, bon Dieu, il y a des choses que le mettez dans la vie, il est équipé pour le succès. Il est équipé pour la prospérité, mais faut qu'on ait qui ça le mettez en dedans pour capable bien succès ça. Est-ce que les questions commencent à me dire là? C'est ça que fait ou pas de succès pour copier pour nous. Ou pas de succès à copier son monde parce qu'on a bien succès. Parce que yon moun, li gen a fait succès par l'enchanté. Et puis ou même, bon Dieu bral bon succès par ou, n'en fait manger. Est-ce que vous m'avez dit, hein? Chaque moun, bon Dieu bral succès yon, jan, ou pas garde son moun ou dit comme ça, li fait ça, l'gen succès, bon fait tout ma gen succès, non. Bon Dieu équipe pour ça, pour l'gen succès dans ça. Mais ou même, bon Dieu équipe avec yon l'homme bagay qui a bon succès. Gardez yon verset biblique par rapport à ça, vous comprenez ça. Gardez Proverbe chapitre 22, le verset 29. Ça est extrêmement important. N'a pas gardé en français, après ça, n'a pas gardé en anglais. D'ailleurs, gardé en anglais. En nous tous les ensemble. En nous tous les ensemble. Regardez ce que ça dit. Il dit, si tu vois un homme habile dans son ouvrage, regardez ce que ça dit. Il ne se tient pas. Il se tient auprès des rois. Il ne se tient pas auprès des gens obscurs. Attendez, oui. Il dit, si tu vois un homme, comment il est en travail? Comment il est en travail? Ou comme ça, habile, les gens disent, habile, non, bagarre. Ça veut dire, il fait le bien. La Bible dit, attendez, n'importe monde qui fait un bagarre bien, ou pas camper devant monde ordinaire, ou pas camper devant les rois de la terre.
Aïe, aïe, aïe. Est-ce que l'église a dit ça, Mathia? Gardez-le en anglais. Look at in English. OK, gardez-le en anglais. All right? Put it in English. Let's read it together. It says, do you see a man who excels in his work? He will stand before kings. He will not stand before unknown men. Do you know what is a king? A king. A king is somebody who reigns in an area. They call him a king. A king, c'est pas seulement yon moun ki en Angleterre. N'importe moun ki régnait non domaine, yon gèle l'on king. Michael Jackson was called the king of pop. Li pa tu yon roi, mais il te gèle the king of pop. Parce que dans domaine musique, jusqu'à présent, pa gen moun ki vann valait album Michael Jackson te vann. 750 millions albums. Jusqu'à présent, pa gen moun. So yon te gèle the king of pop. The king of movies. So Hollywood gen king, music gen king, dessin gen king, écrit tout domaine de la vie, yo gen royo. Royo, c'est yon moun qui gouverne tout domaine. Est-ce que vous comprenez ce que je dis là? Attendez, la Bible dit, yon moun qui fait travail ou bien, quel que soit travail ou fait bien, la Bible dit, ou gen pour camper devant les grands de la terre. Est-ce que l'église comprend ça m'a dit là? Mais quelle est la condition? Une seule condition. Put the verse back. Une seule condition. Put it in English back. There's one condition. En français, il dit for habile. En anglais, il dit there's one condition. You need to excel. You cannot be average. You cannot be average. And stand before kings. Ou pas qu'à moyen. Ou pas qu'à moyen. C'est pour excellent. C'est pour faire partie des meilleurs dans ça va faire. Aïe, 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 aïe. N'importe monde qui fait partie des meilleurs dans ça va faire. Ou à camper devant les grands de la terre. Ou qu'à se soulier ou à nettoyer. Mais si vous êtes nous qui qu'on nettoyer soulier, parce que tout le monde sous la terre ou à entrer dans la maison blanche. Nettoyer soulier à pouvoir porte maison blanche bas. Multimillionnaire qui n'a pas qu'à rencontrer avec le président ou même nettoyer soulier, il y a dit qu'on ça sous-souillé ou besoin soulier bien nettoyé. Bon, seul mec qui peut nettoyer le bout, c'est dans Miami, Florida. Il y a payé un avion pour entrer dans un jet privé pour nettoyer soulier ça. Mais fort, excellent. On nous dit excellent. Excellent. Moun qui voulait. Gain succès dans la vie. C'est ça que tu dis comme ça. L'argent en poche, c'est une réflexion de ton âme, de ton être, qui est tu es et qui tu es intérieurement. Le intérieurement où sont monde qui remet excellence, l'argent marche derrière. On pas besoin de courir derrière l'argent. Parce que l'eau a nettoyé souliers, tout le monde doit nettoyer souliers pour 5 dollars ou bien pour 10 dollars, pour 20 dollars. Mais puisqu'on est excellent, ou dit président, pour venir nettoyer souliers, c'est 250 dollars chaque paix soulier. La paye. Ça fait ça. Ça fait parce que gon chef, nous t'a gardé dans Miami. Yon nan chef dans Miami. Monsieur son chef. Ça veut dire, il fait manger. Pour le vin faire manger pour en privé, soirée a coûté 20 000 dollars. 20,000 dollars. Et puis, vous voulez faire madame une belle surprise. Vous avez invité, l'a vini, l'a fait manger, l'a bagarre, l'a présenté, l'a payé 20 000 dollars pour soirée. S'il fait ça pour 5 soirées pendant une semaine, il fait 100 000 dollars. Ça fait ça. Parce qu'elle fait partie des meilleurs. Bon, je bagaille. N'importe ce qu'on fait. Attendez. N'importe ce qu'on fait dans la vie de pour faire partie des meilleurs ou à prix. Ma preuve, dis-lui. N'importe ça que vous faites dans la vie. It doesn't matter what it is. De pour faire partie des meilleurs ou à prix. Ou à prix. It doesn't matter what you do. Mais condition, hein, faut faire partie des meilleurs. Parce que l'on fait partie des meilleurs, tout le monde besoin qu'on ait, tout le monde besoin si ou gagne toute qualité de contact qu'a vienne joindre nous. Ou gagne toute qualité de contact. Moi comme dit ça dans l'église déjà,
m'pas bal non personnel, mais m'pas qu'à dire combien président des États-Unis qui passait, combien de présidents des États-Unis qui l'a, et même président qui kounia, qui président aux États-Unis, m'pas qu'à dire combien président qui l'a, qui passait, et puis qu'il est dans le téléphone qui t'a même rencontré avec Pasteur Greg. M'pas politicien. Est-ce qu'on t'a dit ça, m'a dit là? M'pas politicien, m'pas fait politique, m'pas baga. Mais seul baga m'gen m'gon job pour m'prêcher l'évangile, mais c'est faire le bien, de pour faire le bien, quel que soit son faire. Quel que soit son faire. On m'a venu, qui est-ce qui a influence? Ah, bon, moi, Simka. Dans la vie, quel que soit son fait, de pour faire le bien, ou excellent là-dedans, toute qualité porte à bouver pour vous. Ou après rencontrer avec toute qualité monde et puis l'argent ou pas courir derrière l'argent a vinn joindre parce qu'on fait partie de l'excellence. Est-ce qu'on avait même maintenant c'est ça que fait pour yon moun prospérer dans la vie faut qu'on tait tout parce qu'on pas qu'à copier yon moun pour prospérer leur copier yon moun ou qu'à faire ça le faire mon pas qu'à excellent parce que le pas pour c'est prêter c'est copier c'est imiter ou imiter. Bon Dieu pas de fort pour lui, bon Dieu pas de bon outil pour lui, bon Dieu pas de bon grâce pour lui, bon Dieu pas de bon don pour lui. C'est un monde qui a fait et pour que folie, ou a fait tout. Ou qui doit faire, ou qui doit faire, mais on va faire un travail average, on va faire un travail médiocre, on va faire un travail, mais ou pas faire ce que tu as supposé faire parce que ou pas préparé pour ça. Donc dans la vie, faut qu'on ait ou gain. Ou gen, tande, nan la vie gen deux types de bagay ou ka fè. Gon bagay ko, sak fò excellent nan la vie, se lè ou ap fè yon bagay. Ko remè fè, et ke ou ka fè. De bagay, oui. Ou remè fè, et ou ka fè. Ou remè fè, ou ka fè. Donc, nan la vie, ça ouvre toute porte pour son bagage ou aimer faire et pour capable de faire le bien ou gain capacité pour faire et ou aimer faire gain l'autre bagage ou aimer dans la vie ou aimer faire mon pas gain capacité pour lui ça aimer faire et puis ou capable faire tourner profession faire tourner focus ou et puis fonctionner là-dedans ça aimer faire mais qu'on pas qu'à faire trop bien et faire tourner ou comme ça yorele. Yon rele yon habi, yon loisir. Mais ou pas fait yon carrière. Ou pas fait yon carrière avec un bagage qu'on remet, mais qu'on pas ka fait bien. Nous allons samedi, hein? Ou gen da remè, mais sou pas ka fait le bien. Li pap. Ou konnen lèm te jeune, tout ça m'était toujours remè pour Michael Jordan. Jusqu'à présent derrière la caille moi là gain basketball de temps en temps vous comprenez même avec petit basketball moi là hey bagage moi aimer basketball même pas qu'à jouer basketball moi aimer basketball même pas qu'à jouer basketball qui ça me fait mettre petit bagage moi derrière la caille moi de temps en temps me fait comme content même connaissez pas lui qui a payé mortgage caille moi parce que m'pas qu'à faire bien. Ça pour payer mortgage carwa faut qu'a fait bien. Faut aimer et puis faut faire bien parce que c'est parce qu'on fait le bien qui va le faire camper devant les rois de la terre. Donc moun qui excelle dans la vie qui prospère dans la vie, they know the word of God and they know themselves. Yo konn la parole de Dieu et puis yo konn tête yo. Yo konn qui ça yo bon là-dedans. Est-ce qu'on t'entend ça m'dire? Yo konn qui ça yo bon là-dedans. Et troisième type de connaissance you need to have. The first one nous dit c'est connaissance biblique, you know to know the word. Connaissance personnelle, you need to know yourself. Okay, you need to know the word. You need to know yourself. Troisième type de connaissance ou besoin gagner, c'est connaissance financière. You need to know money. You need to know money. Donc, ou besoin gagner connaissance de la parole de Dieu, ou besoin de connaissance tête ou, et pour besoin de connaissance de l'argent. Parce que l'argent, qu'on j'en fonctionne. Même j'en vois soubral, sous un affaire avec le corps humain. Mais le corps humain, qu'on j'en corps humain fonctionne.
et télévision là pour gérer le bien, pour fonctionner avec le bien. Yo voye là avec un manuel pour lui. Bon, j'ai une télévision marché. Si vous pas gérer le bien, vous gâtez le. Parce qu'il va marcher comme ça, va faire le fond bagaille. Ou elle prend, ou elle mettre le lombo qui de l'eau. Parce qu'on ne pas comment le marché. Eh bien, l'argent, on j'en le marché. Oui. Si on ne pas comment le marché, c'est gado, gado. Depuis l'argent, on il courir. Parce qu'on fait le souffrir. Depuis l'argent, on il courir. Gardez qui ça la Bible dit par rapport à connaissance de l'argent. Gardez Proverbe chapitre 22, verset 29. Proverbe chapitre 22, verset 29. Oh Lord, Vikarabasa. En nous toutes liens. Oh, c'est ça? Non, si tu vois un homme. Non, that's not it. En nous garder Proverbe chapitre 24, le verset 23. Proverbe chapitre 24, verset 23. N'a pas gardé en français et puis en a gardé en anglais. Ok? En français d'abord et puis en anglais. En nous lit ensemble. Non, c'est ça? Proverbe 23, verset. 24, verset 3. 24, verset 3. Ok, verse 3. Ok, on nous lit ensemble. Regardez qui ça le dit. C'est par la sagesse que la maison est bâtie. Hein? Mm-hmm. C'est par la connaissance. Ok, and the next part of the verse. The next part of the verse. Verse 4. Verse 4. On nous lit ensemble, il dit qui ça? C'est par la science que les chambres se remplissent de tous les biens précieux par la science. Gardez en anglais. Put the two verses in English. The same two verses in English. Verses 3 and 4. On nous lit ensemble. Gardez qui ça dit en anglais. On nous lit ensemble. Dites qui ça? Through wisdom, a house is built. And by understanding, it is established. Now look at verse 4. Look at what it says. By what? By knowledge, the rooms are filled with all precious and pleasant riches. Qui sac pour tes richesses là? What brings the riches? What brings the riches? What brings the riches? Exactly. Through knowledge. So, you need to have, ou besoin gagner connaissance, bon Dieu, parole bon Dieu, ou besoin de connaissance tête ou pour qu'on qui soit qu'a fait bien, dans qui domaine nous qu'a briller, qu'on y a, l'argent vini, faut gagner connaissance comment l'argent fonctionne. Parce que la Bible dit, c'est par la connaissance que yon maison remplie avec de richesse. Par la connaissance, il remplit avec de richesse. Donc si richesse, si richesse vient dans main, si l'argent vient dans main, et pour pas qu'on comment gérer l'argent, ou pas contre comment, ou comment gérer l'argent, comment manager l'argent, comment servir avec l'argent, la vie nan men ou, et puis la disparaît. Yon moun, wapwe gen yon moun, li genye 10 000 dollars kantre nan men, li travail 10 000 dollars, li fait 10 000 dollars, tourne 100 000 dollars. Gon l'autre qui gen même 10 000 dollars kantre nan men, avon badje ou, li pa gen 100 dollars kantre la dan. Tous les deux gen même kob ki entre. Mais il y a quelqu'un qui gon bagarre, il connaît pour le faire comme là, tandis que l'autre n'a pas connu. Est-ce que l'église a même? Est-ce que l'église a même dit là? Est-ce que nous pas jamais entendu célébrité qui vient riche? Souvent, ça arrive dans monsieur qui joue basketball, monsieur qui joue football, nègre la vie fameux, il vient riche, ou t'as la fait 15 millions de dollars par année. Nous entendons l'histoire de Mike Tyson. Mike Tyson, dans la carrière, nous croyons monsieur fait dans la carrière 450 millions de dollars. Et puis kounya Mike Tyson kounya c'est pratiquement yon nèg pauvre lié. Donc comment se fait-il yon moun ki tout l'argent sa kantre nan men? Gon moun ki tande, on moun ki tande histoire footballeur, yon nan plus grand footballeur dans le monde en tant que technique football qui rele Ronaldinho, en pile moun tande parler de monsieur, un nèg extrêmement talentueux. Nèg la ki des millions ka rentre, yal fermé à 40 monsieur en Espagne parce que il était minus 200 dollars. Minus 200 dollars. Ça veut dire là, il y a moun là à 40 ou plus bon parce que l'ex tape de football là qui a pris un million. Et yo coupé visa monsieur quand il était au Brésil là, yo coupé visa monsieur pour pas entrer en Espagne parce que son honte international pour Espagne. Ils sont honte international pardon pour Brésil. Monsieur a bien minus l'a doué moun en Espagne, il pas ka payer, il pas l'argent pour mais comme il gagne l'argent entre les mains, ça passé. He had the knowledge of football. But he didn't have the knowledge of money. Huh.
ou gen doit gen talent, ou gen doit gen capacité pour produire l'argent. Et pour gain talent ou capacité, bon Dieu bénis avec l'argent, l'ouvre porte pour l'entrée dans mais elle pas utile ou rien parce que ou gain connaissance tête ou gain connaissance domaine mais l'argent entre dans monde ou pas aucune idée comment pour gérer. Est-ce que l'église commence à me dire là? Ça veut dire monde qui a prospéré dans la vie faut par exemple faut qu'on sa un budget. Faut qu'on son budget. Faut comprendre. Faut comprendre comment ou capable gérer rentrer ou dépenser ou par rapport à rentrer ou. Son bagage qui est très très simple. Soit dépenser, puis plus qu'on rentrer. Quel que soit valeur l'argent gagné, ou à pauvre quand même. Ou à pauvre quand même. Même si vous gagnez $1 milliard, ou à pauvre. Si vous gagnez $1 milliard qui rentrer ou dépenser $1.5 milliard, ou à pauvre. Est-ce que l'église comment dire ça m'en dit? So, three types of knowledge people need to have dans la vie. Pour prospérer, ou besoin de connaissance la parole de Dieu, ou besoin de connaissance tête ou, et pour besoin de connaissance l'argent. Donc, al chercher ces jours-ci sous Internet, gen Internet, gen livre, gen YouTube, gen Rich Dad, gen Poor Dad, gen un Dave Ramsey qu'on capable de joindre, Money Makeover, gon paquet de ressources qui disponibles qui montrent comment l'argent fonctionne. Est-ce que ça m'a dit? Et m'bal j'en bagay, m'a fini avec ça. Pas jamais sous-estimer l'argent. Une fois, nous avons prêché un message par rapport à l'argent. Nous avons titré le message à respecter serviteur. L'homme t'a levé. Papa m'a dit toujours dit ça. L'argent, c'est un mauvais maître. C'est un mauvais maître lié. Mais son bon serviteur. Hein? L'argent est un bon serviteur, mais un mauvais maître. Un bon serviteur, un mauvais maître. Si l'argent vit mettre où, aïe, 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 l'a détruit la vie. Mais, si bon Dieu mettre où, et puis l'argent serviteur, wow, on va faire un paquet de bagages dans mon sœur. Vous savez ce que je dis là? Bon Dieu mettre où, l'argent serviteur, on va faire un pile bagage. Donc, il prêche nous un pile mauvais l'évangile. Il y a quelquefois, yo fait nous comprendre que l'argent gâte moun. L'argent gâte moun, l'argent gaspille moun, l'argent, etc. L'argent fait moun chuter, l'argent. Et pas vrai. M'bal j'en bagay. Tendez ça. L'argent, où est là? Micro ça. C'est pas micro ça qui fait m'parler. Amplifier voix ça m'yé voix que me gagne hein li amplifier l'argent pas changer yon moun li amplifier moun koyé déjà pas jamais lié ça l'argent pas changer moun li amplifier moun ko déjà yé. Sou wè yon moun vin gen l'argent, li semble changer, sou wè k'ap paraît. Sou wè li gen l'argent et puis il tombe dans vagabondage. Li te vagabond déjà, mais il pa te kòp pou payer pour vagabondage là. Li pa gen l'argent pour te payer. Sou on a gen l'argent et puis il commence à multiplier femme, li ta adulte, li te nan kan, li te nan la ville déjà, li pa ka fòk femme yo. Mais il te la déjà. L'argent pas changer moun, li amplifier moun koyé. Et ça fait l'argent son gros bagalier. Si ou se yon moun qui reme moun, qui reme aide moun, l'argent bon plus possibilité pour aider. Sou reme ti moun, aide ti moun, l'argent bon plus possibilité pour aider tout le monde parce que le déjà dans le cœur déjà. Mais si moun sa son moun qui son moun pervers, l'argent bal plus opportunité pour faire perversité. Li amplifier moun koyé. C'est ça que fait dans génération pa nou,
ou besoin des personnes qui ont un cœur pur, que bon Dieu bénit avec l'argent, parce que c'est moun sa yo qui fait bien. Dans Miami, là, il y a un élément qui a... Monsieur mourit quelques années de cela. Je te relève Monsieur Versace, quelqu'un qui a songé presque 20 ans de cela. Je suis un ami qui travaille Monsieur dans la caille, Monsieur dans Miami Beach. Les amis qui travaillent à la caille, ils disent, pasteur Greg, je ne sais pas quoi ça. Ils disent, je travaille à la caille, Monsieur, comme sécurité. Ils disent, tout en la caille, Monsieur, fait en or. En la caille, Monsieur, fait en or. Baftop côté le baigné, en or. D'ailleurs, le Monsieur à Miami Beach, qui ça le fait? L'acheter un hôtel. L'acheter un hôtel, Miami Beach, et puis le transformer en maison personnelle. L'acheter un hôtel, il fait le tourner caille personnelle. Et puis il fait tout en dedans en or. Mais monsieur dit, pasteur Greg, depuis vendredi soir arrivé, jeune petit garçon seulement quand dedans, homosexualité n'est allé. Ça le gagne. Perversité en dedans. L'argent a l'opportunité pour magnifier perversité ça. Mais c'est comme ça, tout le monde qui besoin d'aider le monde, il y a des monde qui besoin prêcher l'évangile, il y a des monde qui besoin de sauver, il y a des monde qui besoin de... C'est pour bon Dieu, bah, nous moyen. Aïe, 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 aïe. Bon, prêt mal prier là, prêt mal prier là. C'est pour bon Dieu, mettre la main pour l'évangile prêcher. C'est pour l'évangile, mais bon Dieu, mettre la main pour nous sauver. C'est pour l'éternel mettre la main pour la vie transformée. C'est pour l'éternel mettre la main pour faire l'hôpital, pour faire orphelinat, pour aider le monde. Parce que c'est pour la vie transformée. Aïe, aïe, aïe. C'est pour l'éternel, mettez la main. C'est pour l'éternel, bénir, l'aura sorti, l'aura rentré. Shekinah App. Téléchargez-le, Kounia.